Bienvenue chez les ours. J'étais habitué à Grenoble, mais là. Avec mon poulet, ça change. Ça change beaucoup, ouais. Et les tongs, ça va. Ouais, mais là, c'est juste pour revenir. C'est le scénario idéal aujourd'hui. Oui, tout à fait, forcément. Sortir de ce match avec 4 points, c'est forcément le scénario idéal pour nous. On était venu pour chercher quelque chose et on l'a trouvé. Donc forcément, oui, c'est très bon. On a l'impression que vous avez donné une leçon de réalisme aux Oyonnaxiens, notamment en première mi-temps. Oui, c'est vrai que sur chacune de nos incursions dans leur camp, on a su trouver la faille, soit par des pénalités, soit par des avancées franches. Et c'est sûr que voilà, sur ça, on peut retenir qu'on a été très réaliste, et tant mieux pour nous, parce que c'est sur ce genre de détails qu'on gagne ce genre de rencontre. Et ça a été un bon exemple pour ce soir. Est-ce que dans le premier quart, quand vous êtes bousculé, vous avez pas l'emporté, il y a quelqu'un qui... Au contraire, vous restez bien dans votre match serein. Ben forcément, un petit peu des deux. On n'aime pas prendre, n'importe quelle équipe n'aime pas prendre des portées comme savent le faire les Oyonnaxiens. Donc forcément, il y a toujours un petit peu d'inquiétude sur la suite des choses. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a su garder justement notre calme pour essayer de rebondir dans d'autres aspects du jeu en gardant notre sang-froid et ça a payé. Donc oui, c'est très bien. À la mi-temps, c'est qui ? À la mi-temps, oui, voilà, non, tout simplement de continuer sur ce rythme-là. On produisait, le peu de jeu qui a été produit ce soir était plutôt correct de notre part, donc il fallait rester sur ce schéma-là et essayer de les mettre le plus souvent à la faute, et ça a été le cas, donc c'est bien. C'est François qui a pris le but ? Oui. C'est prévu. Oui, tout à fait. On en a discuté tous les deux. Il était sur une bonne dynamique depuis quelques matchs. Moi, je revenais de blessure et j'avais besoin de me concentrer principalement sur le jeu. Je savais très bien qu'il était en réussite en ce moment, que ce soit à l'entraînement ou même sur le dernier match face à Paris. Donc du coup, ça a été tout naturel de lui céder ça aujourd'hui. C'était normal. Moi, je préférais me recentrer sur le jeu et tant mieux. D'un point de vue purement comptable. La neige, même si toi tu connais en arrivant de l'autre, c'est pas évident. Non, forcément, c'est jamais évident d'aborder un match comme celui-ci. C'est pas très joli à regarder, c'est pas très joli, même des fois à jouer, malheureusement, parce que c'est beaucoup de petits tas, c'est beaucoup de petites passes, et malheureusement, c'est beaucoup du jeu d'avant, et les trois quarts se gèlent beaucoup derrière. Mais bon, ça fait partie du rugby. Le rugby est un sport d'hiver, donc il faut passer par des matchs comme ça, il faut passer par des victoires comme ça si on veut rester sur le haut du tableau. Ça permet de voir l'avenir un peu plus sereinement là. C'est vrai que face aux matchs qui nous attendent et à la fin de saison qui nous attend, il était primordial de pouvoir récolter des points et forcément oui, ça nous rassure un petit peu quant à la suite des choses, mais il va falloir rester très très sérieux parce que tous les matchs sont importants et n'importe quelle équipe qu'on va recevoir ou là où on va se déplacer a besoin de points, donc ça va être à chaque fois des matchs très difficiles. Comptablement, on va y arriver. Comptablement, vous revenez, vous recollez avec le RCT. Vous y pensiez avant de venir ici ou pas, sachant que s'imposer au Lyonnais. On savait que si on gagnait aujourd'hui, on pouvait rester sur le haut du tableau et c'était très important. Après, savoir si on était deuxième, troisième ou sur une autre place, on n'y pensait pas vraiment. Ce qui nous importait vraiment, c'était de rester au contact du tout haut du tableau pour essayer d'envisager au mieux l'avenir. On a deux réceptions et encore deux déplacements, donc voilà, ça va se jouer, tout va se jouer là-dessus pour toutes les équipes, donc il va falloir rester concentré. Merci. Bon. Merci. Merci.